Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit dessin, cette petite aquarelle que j'ai réalisée spécialement pour mettre dans mon bullet journal du mois de juin. Alors, je préfère préciser tout de suite avant d'avoir des commentaires négatifs. Je suis nulle à chier en dessin, je dessine comme une enfant de 4 ans et j'y connais strictement rien en aquarelle. J'y suis allée au feeling. J'ai vraiment fait ça comme je le sentais, comme ça venait. Alors, c'est loin d'être parfait, il y a plein de défauts, mais moi, je suis plutôt contente quand même du résultat et c'est pour ça que je voudrais, pardon, le partager avec vous. Tout le matos que j'ai utilisé vient de chez Action. Alors je sais très bien qu'on n'utilise pas l'aquarelle comme ça, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'y connais strictement rien du tout, donc je fais comme j'ai envie. Voilà. Alors pour réaliser mes petits dessins, mes petits papillons et puis ma petite citation, je me suis inspirée des photos que j'ai pu trouver sur Internet. La preuve, on va voir mon portable apparaître. Alors je n'ai aucune explication à vous donner parce que comme je l'ai dit, et je le redirai à chaque fois, je suis complètement novice dans ce domaine-là et j'y suis allée au feeling, donc j'ai aucune explication à vous donner. Je préfère vous laisser regarder les images parce que ça parlera beaucoup mieux que mon blabla qui veut strictement rien dire. Et en plus, en musique, eh ben, c'est beaucoup plus sympathique. J'adore cette petite rime. Vous allez voir que sur mon grand papillon, j'ai fait une petite bavure. J'ai voulu rattraper les dégâts, mais j'ai fait encore pire. C'est ça quand on n'y connaît rien, on fait que des conneries. Mais c'est en même temps, c'est comme ça aussi qu'on apprend, hein. Mais vu que moi je suis très blonde, et bah je pense que je vais refaire cette connerie-là plusieurs fois avant de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Mais c'est pas grave. Bon, sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse regarder la suite en musique, parce que comme je l'ai dit, ça sera beaucoup plus sympathique. Et en attendant, et bien je vous fais tout plein de gros poutous et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!